La deuxième édition du Village de la Biodiversité s'est tenue ce mercredi après-midi au Parc des Cities. Des centaines de visiteurs auprès de nombreux acteurs du territoire en ont appris beaucoup sur la flore et la faune. Exemple avec ces tortues de Floride. Si je vous dis, c'est un mâle. Comment j'arrive à le savoir, d'après vous? C'est en fonction de la taille des griffes, en fait. Là, vous pouvez voir, elles sont toutes petites, alors que là, à côté, elles sont vachement longues. C'est une animation qu'on fait une fois par an et qui réunit tous nos partenaires et les partenaires de la région. Ça permet de venir et aussi de se sensibiliser à autre chose. Comme avec les étudiants du lycée agricole Saint-Joseph de Bucquoy, ces futurs soigneurs animaliers ont proposé des ateliers autour de la déforestation accompagnés de ce tigre et d'autres animaux. C'est important de sensibiliser les gens parce que comme c'est un problème qui nous touche tous, on peut à notre petite échelle faire en sorte qu'on pollue moins, qu'on déforeste moins. Nous, on parle de tout ce qui est planter des choses dans son jardin, les légumes, les fruits. Mais aussi les fleurs et le rôle essentiel des pollinisateurs. Il existe un millier d'espèces d'abeilles, mais pour elles, transporter le pollen n'est pas toujours si simple. Alors quelques gestes peuvent leur venir en aide. On fabrique alors soit des bombes de graines avec de la terre, du terreau, des graines de prairies fleuries. Comme ça, les enfants après pourront la jeter dans le jardin. Mais on propose aussi la construction de petits gîtes pour les abeilles solitaires sous forme de petits fagots avec des branches de sureau. Et enfin, pourquoi ne pas réutiliser cette nature pour lui offrir une seconde vie? C'est l'œuvre du Coron des Arts, un collectif qui initie au chantournage. Comprenez la conception de petites pièces de bois. Une bonne partie du bois que j'utilise, c'est du bois de récupération. Donc là, en l'occurrence, ce sont d'anciennes armoires en chêne qui étaient destinées à la déchetterie. On est en train de fabriquer un petit oiseau en bois. On a trouvé ça sympa de pouvoir manipuler sur les machines. Et donc, et Pauline y prend du plaisir et je l'aide là. Pour profiter encore d'une riche biodiversité, rendez-vous au Parc des Cities de Bénifontaine tous les jours jusqu'à 19h. Le site fermera ses portes dès 17h à partir du mardi 1er octobre.